Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je partage avec vous les derniers achats mode des 3-4 dernières semaines. Donc, comme d'habitude, là encore, je vous invite à vous abonner, à aimer cette vidéo, à partager, à commenter. Vous savez que ça m'aide énormément, vous le savez. Alors, faites-le, s'il vous Alors, on plaît. va commencer par la robe que je porte parce que c'est également une nouveauté. C'est une robe de chez Hair Vivi Moss que j'ai commandée en taille XL et elle m'a coûté très exactement 34,99 €, sachant que le site est en dollars. Donc en fait, moi je suis passée par PayPal et PayPal a fait la conversion. 34,99 €, je ne sais plus combien ça fait en dollars, mais bon. Dites-vous que c'est 34,99 €. Il faut savoir que j'ai la même robe en taille L que j'ai commandée, je crois, pendant la période Covid, il y a 2 ans, 2 ans et demi et tout ça. Et j'ai changé de taille. Du coup, je l'ai recommandée en taille XL. Et elle me va bien. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est hyper confortable. J'aime la couleur rose. J'aime le fait que ça soit du coton. C'est du coton mélangé, mais on a vraiment l'impression que c'est du coton. La qualité est ouf pour le prix, je trouve. Et surtout, elle est hyper confortable. Moi, quand il commence à faire chaud, enfin, de toute façon, si vous me suivez, vous savez que j'adore les robes. Et dès qu'il commence à faire chaud, je porte plus que ça. Ensuite, chez Zara, j'ai commandé cette jupe en jean bleu longue que j'aime beaucoup vraiment. On en voit partout en ce moment, les jupes en jean mi-longue voire longue, c'est ultra tendance et perso j'adore, mais j'ai craqué pour celle-ci parce que j'aime trop sa coupe. Je sais pas si vous pouvez voir, sa coupe est un peu trapèze et c'est une coupe qui est ultra ultra flatteuse et que j'aime beaucoup. Je l'ai commandée en taille XL et elle me va parfaitement et elle m'a coûté 49,99 €. Franchement, je regrette pas du tout. Je sais pas vous, mais moi j'ai du mal à chaque fois d'acheter des trucs full price chez Zara parce que je trouve que maintenant Zara c'est devenu tellement tellement cher. Mais bizarrement, ces derniers mois, ils m'ont tué. Ils m'ont tué. Toujours chez Zara, j'ai acheté cette veste en jean bleu que je vous ai présentée en fait dans ma vidéo sélection shopping. Je vous mettrai le lien là ou par là, je ne sais pas. Je l'ai commandée en taille XL, ma taille là encore. Et je ne vous dis pas à quel point j'adore cette veste, à quel point depuis que je l'ai achetée, je l'ai portée pratiquement minimum 2 fois par semaine. Minimum. Et la semaine dernière, j'étais en Espagne en vacances. Je l'ai amenée avec moi. Je la portais le matin quand il faisait frais et le soir également quand il faisait frais. Et franchement, elle est hyper versatile. Elle passe avec tout, des robes, des jeans, des pantalons, des jupes. Franchement, elle est trop versatile. Et honnêtement, les gars, je l'ai vraiment rentabilisée. Vraiment, vraiment rentabilisée. Je crois qu'elle m'a coûté 59,99 €. Et pour le coup, je n'ai pas regretté du tout le prix de cette veste parce que vu comment je continue en fait à la porter tout le temps, c'est une pièce en fait que j'aime tellement parce que la coupe est extraordinaire. La coupe est extraordinaire. Elle est cintrée et large. En fait, elle me rappelle les premières collections de Fenty, la marque de vêtements de Rihanna. Et je la trouve canon en fait. Canon, 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 canon. Et j'ai pas eu de veste en jean dans mon dressing depuis la fac, depuis la licence en fait. Ça, c'est en 2015. J'en termine avec Zara avec cette paire de mules blanches que j'aime beaucoup, les gars. Franchement, je n'en avais plus dans mon dressing depuis longtemps. Une paire de chaussures à talons blanches, je n'en avais plus dans mon dressing. Et ça me manquait parce que ce sont des paires tellement versatiles en vrai et hyper canon, surtout en été. Ça ajoute toujours cet effet un peu clean
et classe en fait à une tenue sans en faire trop. Et perso, j'adore. Et celles-ci m'ont coûté 22,99€. Elles étaient en solde sur le site de Zara. Ce qui m'a étonnée parce que ça fait pas longtemps en fait qu'elles sont sorties. Et je me rappelle très bien quand elles sont sorties, je les ai voulu tout de suite en fait. Sauf que je ne voulais pas payer 40€ pour les avoir. Même si elles sont en cuir et le cuir est lisse et elles sont hyper confortables, le talon est canon et vraiment j'avais craqué sur le talon en vrai. Mais je ne voulais pas payer 40€ parce que j'étais certaine qu'elles allaient finir en solde en fait. Mais je m'attendais pendant les soldes là, de juin. Et là, non, elles étaient en petit prix sur le site de Zara, 22,99€. Je me suis jetée dessus parce que je me suis dit, à ce prix-là, elles vont partir comme des petits pains et ma taille va disparaître parce que je fais du 40. C'est une taille ultra classique en France. Je veux dire, ce sont les premières tailles qui partent, donc je me suis jetée dessus. Ensuite, chez Mango, j'ai acheté ce petit gilet hyper sympa. Il est un maille fine de coton. C'est du coton mélangé de mémoire parce qu'en fait, j'ai enlevé l'étiquette et tout, vu que je l'ai déjà porté. Et je pense que c'est du coton mélangé parce qu'il est très doux. Et j'aime beaucoup les liens là. Il y a deux liens là et tout ça que j'aime beaucoup. Mais généralement, pour être honnête, je n'attache qu'un lien. Et j'aime beaucoup l'effet en fait. J'aime le look en fait avec un jean taille haute, large. Et des baskets, du coup ça balance un peu parce que le haut est un petit peu sexy et le bas fait très très décontracté et tout ça, du coup ça donne un petit look 90s que j'aime beaucoup. Je l'ai commandé en taille XL là encore et je l'ai acheté à 29,99€, je crois, de mémoire, je ne me rappelle plus, alors que je l'ai depuis 2 semaines, mais je ne me rappelle plus. Mais je pense que c'était une 20aine d'euros. Alors, chez H&M, j'ai acheté cette chemise blanche en lin, manche courte, avec un énorme col V que j'aime beaucoup. Là, elle paraît affreuse parce qu'elle est hyper froissée, ce qui est normal parce qu'elle sort en fait du lavage et je n'ai pas eu le temps de la repasser. Je ne sais pas vous, mais moi je déteste repasser. Du coup, je ne repasse vraiment qu'à la dernière minute quand je dois porter le vêtement en question. Donc, essayez d'imaginer que la chemise est repassée. C'est ce que je fais et ça marche très bien. Franchement, j'adore cette chemise. Je l'ai achetée juste avant mes vacances à Madrid parce que j'avais regardé sur la météo, en fait, je savais qu'il allait faire chaud à Madrid. Mais je ne savais pas à quel point, les gars. Parce que le matin, il faisait un peu frais et l'après-midi, on se croirait dans un désert tellement il fait chaud. J'étais choquée parce que on est en France, on a un petit peu les mêmes températures. Mais là-bas, il faisait extrêmement chaud. Et du coup, j'étais bien contente d'avoir mis cette chemise dans ma valise parce qu'elle m'a bien servi. C'est pourquoi dès que je suis arrivée la semaine dernière. Dès que je suis arrivée, voilà, lavage direct. Donc, je l'ai achetée en taille XL et elle coûtait, je crois, 24,99€. Je ne sais plus si c'est 24,99€ ou 29,99€. Je ne sais plus. Mais bon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Toujours chez H&M, j'ai acheté ce jean blanc ou plutôt crème ou blanc cassé. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin bref, blanc pour le coup, ce jean blanc que j'ai commandé en taille 46, il faut savoir que j'ai le même modèle, d'ailleurs le modèle c'est quoi ? C'est le 90s baggy jean, j'ai le même en bleu que j'avais acheté à l'époque directement en magasin, et à l'époque je l'avais surtaillé, j'avais pris une taille 46 et c'est l'un des meilleurs jeans que j'ai acheté chez H&M, vraiment.
Il est parfait, je le porte tout le temps, ultra confortable, vraiment bien baggy. Genre pour un jean sans élastane, c'est l'un des meilleurs jeans que j'ai acheté vraiment parce que il me prend bien au niveau de la taille, il ne me serre pas le bouti ni les cuisses, il tombe parfaitement au niveau de la longueur. Franchement, le modèle est parfait. Du coup, je me suis dit, pour l'été, il me faut un jean blanc. Du coup, je suis allée voir sur le site de H&M et j'ai vu qu'ils avaient le même modèle en blanc. Ou en crème, ou en blanc classique, comme vous voulez. Et je l'ai commandé. Et pour avoir le même effet que j'ai avec le jean bleu, je l'ai commandé également en taille 46. Sauf que ce jean est un petit peu plus ajusté. Ce qui est bizarre. Vraiment, ce qui est bizarre, mais bon, peut-être que, je sais pas, peut-être que ce modèle taille un petit peu plus petit, cette couleur plutôt, parce que c'est le même modèle, cette couleur taille un petit peu plus petit que le modèle bleu, enfin je sais pas, n'empêche que je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime tout autant, et j'ai trop hâte de pouvoir le mettre tout le temps. Je ne l'ai pas beaucoup mis. En même temps, il est arrivé le week-end dernier. Donc, et là, on est mercredi. Je n'ai pas eu trop le temps de le mettre, sachant que je télétravaille principalement maintenant. Donc, j'aurai l'occasion de le mettre. Anyway, je l'aime beaucoup. Ah oui, je l'ai acheté à 32,99€. Ouais, sauf... Non, il est vendu à 32,99€ et moi je l'ai acheté à une vingtaine d'euros parce que j'avais un code promo. Ensuite, et pour en finir avec H&M, j'ai acheté cette robe longue, noire, avec une manche, enfin des manches courtes, légèrement bouffantes. Le petit détail en dentelle sur les manches que j'aime beaucoup. Le col élastique qu'on peut mettre comme ceci ou comme cela et tout en dessous des épaules. Là, je kiffe cette robe. Et on a deux liens là au niveau de la taille. Enfin, juste en dessous en fait de la poitrine. Deux liens élastiques et tout. La matière en coton ultra confortable. Vraiment, cette robe est la définition du confort. C'est le genre de robe que j'aime énormément et que j'apprécie à l'arrivée du beau temps parce que passe-partout, qu'on peut mettre au bureau, qu'on peut mettre en télétravail, pour flâner, pour aller se poser en terrasse, pour aller au musée, enfin vraiment passe-partout en été surtout et je kiffe. Il faut savoir qu'au début j'avais commandé cette robe en jaune parce qu'elle existe en jaune, en blanc et du coup en noir, et je l'avais commandée en jaune, je l'avais amenée avec moi pour mes vacances à Madrid et je l'ai trouvée tellement versatile, tellement confortable, tellement agréable les gars, alors qu'il faisait hyper chaud à Madrid, qu'à mon retour en fait je l'ai recommandé en noir. Je l'ai commandé en noir et parce que le jaune là, la robe jaune elle est en train de, enfin elle sort du lavage, elle est froissée, je peux pas vous la montrer mais je vous montrerai les images, photos, vidéos que j'ai prises en fait quand j'étais à Madrid. Et cette robe là, aussitôt arrivée, aussitôt portée, genre je l'ai reçue samedi dernier à mon retour de Madrid et lundi pour la reprise, je l'ai portée. Je l'ai portée direct et elle est tout ce dont j'avais, tout ce dont j'ai besoin en fait pour cet été en vrai. On en reparlera après les soldes, mais pour le moment, pour le moment, elle est tout ce dont j'ai besoin. 29,99€, vraiment. Et j'avais un code promo en plus, donc elle m'a coûté moins que ça. J'adore. Alors on en finit avec ce haul, avec cette paire de sabots de chez Birkenstock. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je rêvais de m'offrir cette paire depuis très longtemps. J'ai même acheté des dupes de chez Jonac
à l'époque en vente privée, genre une vingtaine d'euros et tout ça, en noir. Sauf que au bout de quelques mois, les gars, la boucle ici là a sauté sur la paire Jonac. Donc ça m'a super énervée parce que sans la boucle, en fait, du coup là, ça se ferme pas. Donc en fait, c'était bizarre. Bref, je l'ai déposé un relais vêtements. Et je me suis résolue à acheter l'original directement sur Birkenstock à 140 euros. Les gars, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal au cœur, vraiment. Et au niveau de ma carte bancaire, au niveau de mon compte bancaire, franchement, ça m'a fait mal. 140 euros pour une paire de sabots, je trouvais ça fort quand même. Mais je les voulais depuis longtemps parce que toutes les paires, en fait, j'ai d'autres sandales. J'ai une paire de sandales de chez Birkenstock que j'ai depuis 2016. Ce sont des paires durables qu'on peut garder toute une vie, sauf à les jeter ou à les transmettre à ses héritiers, parce que vraiment, on ne peut pas les abîmer, en fait, à part s'il y a une bombe, enfin, je ne sais pas. Mais franchement, voilà, je me suis dit, vas-y, investissement. Et je peux vous dire, les gars, depuis que je les ai, ça fait maintenant un mois, je crois, que je les ai regardés. Je les ai bien portés déjà. Je les ai portés de ouf. Je les ai portés de ouf pour aller faire des courses. Depuis qu'il commence à faire un peu beau là, ah, c'est bon. Je ne porte que ça, soit des baskets, soit des sandales. En tout cas, quand je sais que je vais marcher, quand je veux être confortable, ce sont les paires que je sors. Et surtout, elles sont ultra, ultra confortables, ultra versatiles. Elles vont avec jeans, pantalons, jupes, robes. Je ne m'y attendais pas parce qu'elles font quand même assez mastoc, je trouve. Elles sont énormes. Et pourtant, j'ai les pieds fins. Donc, en fait, ça donne un truc. C'est bizarre, mais ça donne un effet un peu fâchant. Vous voyez? Et j'adore. J'adore.